Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre.
Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les Crozons arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse fait descendre. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. C'est à nouveau. Cette radio à onde courte, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Je vais te faire souffrir longtemps. Mon père est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin de Glaneuse, les papas malins vont toujours au jardin.
que celui-là a son compte. Tu crois qu'il a encore de la danse en lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'as qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux, tu finiras par boire la grande tasse. Allez! Merde! Merde! Écoutez, j'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici, cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie.
Encore une nuit de réveillon seul. Désespérément seul. Je suis sortie. Et toi, t'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Abaya! Mais qu'est-ce qui se passe? Vivanda! Qui c'est? Abaya! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Dites, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de Bowater depuis bientôt 3 semaines? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Thank you.
casque de sécurité en cours. Association de scélérats vous envoie. Serait-ce le loup du KGB, le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazedania, comme vous préférez. Maintenant, allez jusqu'au sac d'urgence.